C'est délicieux. C'est même assez addictif et irrésistible, en fait. Oh là là. Oui, mais... C'est d'une finesse et d'une élégance à tomber par terre. T'es pas passé, t'as ta côté, ton tataki. Oh. C'était Ma recette est la meilleure de France avec la nouvelle collection Go Compact de Kenwood. Taille mini, créativité maxi. C'était Ma recette est la meilleure de France avec les cafés en grains l'or. Un goût intense et des arômes incomparables. Vous avez passé un délicieux moment devant Ma recette est la meilleure de France avec But et but-cuisine.fr. Meilleure cuisiniste 2024. Appel à témoins est de retour sur M6. Disparition inquiétante, meurtre maquillé en suicide. Parfois, il manque un témoignage pour faire éclater la vérité. Il y a forcément quelqu'un qui sait quelque chose. Avec Appel à témoins, nous vous proposons une soirée de mobilisation exceptionnelle et en direct. Vous avez la possibilité de témoigner anonymement. 4 ans que je me bats pour avoir la vérité. Rester dans le flou, ça reste quand même difficile. Je souhaite tellement qu'il y ait quelqu'un qui parle. Nous avons besoin de vous. Présenté par Julien Courbet, Appel à témoins, ce soir à 21h10, en direct sur M6. Et juste après, retrouvez Appel à témoins, l'enquête continue. Retour sur les dossiers qui ont connu des avancées grâce à l'émission. Soyez prêts pour votre programme avec le trèfle Maxi Douceur, généreux par nature. Retrouvez la Story Poker avec Winamax. Winamax, le plus important, c'est de gagner. Les jeux vidéo et le poker ont beaucoup en commun. Dans ces deux domaines, il faut avoir l'esprit de compétition et être capable de jouer des centaines d'heures pour faire partie des meilleurs. Mais n'allez pas croire qu'il suffit de savoir jouer à Pac-Man pour manger les jetons de vos adversaires. Il faut être stratège, réfléchir à 100 à l'heure et attendre les erreurs adverses pour attaquer. Ça tombe bien, c'est exactement le cas de la star des jeux vidéo Bertrand Grospelier, plus connu sous le pseudo Elki. Le champion du jeu de stratégie StarCraft surprend tout le monde dans les années 2000 en changeant de carrière pour se consacrer au poker. Il enchaîne immédiatement les résultats et remporte plusieurs millions de dollars. Aujourd'hui encore, il fait partie des Français ayant remporté le plus d'argent au poker. De son tapis de souris au tapis vert des tables, Elki a sauté le pas avec succès. C'était la Story Poker avec Winamax. Winamax, le plus important, c'est de gagner. Attention, super déstockeurs. Face à l'explosion du coût de la vie, ils font le maxi pour vous dénicher des mini-prix. Nouveauté, les As des bonnes affaires. Mercredi soir sur Sister et en streaming sur M6+. Coup de foudre. J'ai eu un coup de foudre. Oh, mais c'est génial. C'est qui? Je connais. Mais non, c'est la faute qui a tout pété chez moi. Ah, ce coup de foudre. Tu peux me garder tout ça? Tu es bien assuré, j'espère. Tu peux pas tout avoir. Notre plus grande force, c'est le plaisir. Ça râle. Parfois, c'est en allant là où personne ne peut vous suivre que vous devenez la personne à suivre. Enfin, à moins de partir vraiment trop loin. Nouvelle Jeep Avenger, maintenant disponible en hybride. Jeep Avenger, 100% électrique, hybride et essence, à partir de 199€ par mois. Un apprenti tentait depuis longtemps de reproduire les nouilles de Maître Daisuki. Et un jour, il jeta des assaisonnements. Bim! De l'eau bouillante du fleuve. Bam! Et voilà. Mmh. C'est comme ça que j'ai préparé nos nouilles Daisuki. T'as mis 3 minutes. Juste avec une bouilloire. J'avoue. Daisuki, les nouilles comme au Japon, maintenant à la maison. Le bonheur pour mon père, c'est de terminer son dîner par un dessert Eco Plus. Enfin, un bonheur de courte durée, parce qu'après, il y a la vaisselle à faire, papa. Eco Plus, le dîner le moins cher de France. Eco Plus, de Leclerc. Leclerc. Cherchez, améliorer, recommencer encore et encore. Pour révéler le meilleur de vous-même, Colgate Max White Ultra. Contrairement aux dentifrices ordinaires, sa formule agit en profondeur pour des dents plus blanches en 3 jours seulement. Votre sourire, soyez-en fiers. Colgate Max White Ultra, des dents profondément plus blanches en 3 jours.
Encore meilleur que nos meilleurs burgers. Nos masters montagnards reviennent avec de nouvelles recettes et un petit toasté, toujours à la raclette de Franche-Comté. Burger King. Qu'est-ce qui vous rend sûr de vous ? Être tendance ? Être populaire ? Être une icône ? Ou être vous-même ? Avec le Mondial de l'Auto Peugeot, profitez de nos conditions salon dans toute la France. Jusqu'à 5000 euros d'avantages clients et 8 ans de garantie à l'Urcaire. Pour avoir une maison impeccable sans compromis, prenons les choses en main. Le spray Carolin ultra dégraissant est encore plus efficace sur les graisses incrustées et prend soin de votre intérieur avec sa formule air labellisée. Carolin respecte votre intérieur, pas la saleté. Pour la nouvelle saison du meilleur pâtissier, Laetitia Milo rejoint le monde de la gourmandise. Mais t'es à croquer, toi. Avec ça, tu vas être parfait. Quelle arrivée ! Et t'as mis le four à combien pour faire un tel pain d'épices ? Ça, c'est mon petit secret, Mercotte. En tout cas, ça me donne des idées pour la nouvelle saison. La nouvelle saison du meilleur pâtissier s'annonce grandiose. Bon, pain d'épices quand même. Hein. Ben oui. Dès jeudi 10 octobre à 21h10 sur M6. Ajoutez un grain de folie devant le meilleur pâtissier avec la nouvelle petite boîte ronde blush bourgeois et son rose éclatant. Bourgeois ! Savourez un moment de gourmandise devant le meilleur pâtissier avec la poudre cacaotée Nesquik. Regardez. Préserver la biodiversité, c'est pas si compliqué. Avec l'Office français de la biodiversité. Les espèces exotiques envahissantes sont des plantes ou des animaux qui se développent hors de leur milieu d'origine. Ces espèces peuvent être des menaces pour la biodiversité. Alors une espèce exotique envahissante, c'est une plante qui vient d'un autre pays et puis qui pose des problèmes sur notre territoire. C'est le cas concret sur la Jussie, qu'on retrouve malheureusement maintenant dans tous les milieux aquatiques. La Jussie vient d'Amérique du Sud. C'est une plante ornementale, jolie. C'est pour ça qu'elle a été introduite dans des plans d'eau extérieurs, d'agrément. Puis rapidement, elle s'est retrouvée dans des milieux aquatiques, là où elle ne devrait pas être. La Jussie, c'est une plante qui ne s'arrête pas à un tout petit stade de développement. Elle colonise différents milieux, puis elle bouche complètement les voies d'eau. Elle rentre en concurrence avec nos espèces locales, donc plantes indigènes. Donc nos espèces disparaissent, les insectes et puis les poissons disparaissent aussi. On a une grosse perte de biodiversité. Mais on essaie de la contenir pour que toutes les activités, le milieu aquatique et la biodiversité s'y retrouvent. Évitons de ramener des plantes, des animaux ou des graines exotiques. Choisissons des variétés locales adaptées à nos régions. C'est le meilleur moyen de préserver nos écosystèmes. C'était Préserver la biodiversité, c'est pas si compliqué. Avec l'Office français de la biodiversité. En octobre sur M6+. Ces influenceurs aux millions d'abonnés ne sont pas prêts à la surprise machiavélique que je leur réserve. Ce n'est pas moi le traître. Je m'en fous. Puis-je connaître votre nom, mademoiselle ? Fantine. Assez d'inventions et de mensonges ! C'est moi, Jean Valjean. J'ai pas envie d'agir ici à cause de Josh parce que ce serait de la folie et je ne suis pas folle. Oh mon Dieu. T'as pas mal ! T'es pas mal ! T'as pas mal ! T'es pas mal ! En octobre sur M6+. Et en plus, c'est gratuit. C'est une merveille. Carglass répare, Carglass remplace. Si vous avez une urgence sur votre pare-brise, réservez tout de suite sur carglass.fr. Ou appelez Carglass au 3044, c'est gratuit. Et on remplace votre pare-brise avec les mêmes options que l'ancien. Et en plus en ce moment, Carglass vous offre vos balais d'essuie-glace. Alors prenez rendez-vous sur carglass.fr ou appelez-nous au 3044. Carglass répare, Carglass remplace. Le bon goût demande peu. Rio Marais, le vrai goût à l'italienne.
J'ai toujours un frein avec les colorations. Mes cheveux, c'est tout. Ma phobie, c'est vraiment de les avoir tout secs. Le karité, c'est hyper important pour moi. Ça nourrit mes cheveux. C'est comme un masque. C'est facile à appliquer. Ah, j'aime trop! J'ai des cheveux bien soyeux et mes boucles sont super belles. Good, la coloration réinventée par Garnier, naturellement. Mais regarde, c'est le patron des magasins. Comment il s'appelle lui déjà? Jean-Michel? Non, c'est pas ça. Jean-Charles? Michel Paul, Jean-Paul, Édouard Paul, Jean-Michel Paul. J'en sais rien. Je sais. Ouais. Peu importe qui vous êtes, si vous êtes obsédé par les prix bas, vos courses, c'est chez Lidl. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Je vous appelle concernant le... Oui. Oui, donc pour augmenter le plafond de votre carte, vous allez sur votre compte Shine et ça se fait en un clic. Ben merci. Le compte pro en ligne avec les pros. Fatigué ? Miam, 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 miam. Stressé ? Miam, 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 miam. Découvrez les gummies magnésium du laboratoire Miam Lab. Tellement bon ! Le magnésium sous forme de gomme pour retrouver la forme. Les compléments alimentaires en gummies, c'est miam, 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 miam. En pharmacie et sur miamlab.com. Sur Le Bon Coin, avec le pack Sérénité, on achète sa voiture en toute confiance. Bon, quand on la prête, c'est une autre histoire. Pourquoi j'ai dit oui ? Le Bon Coin, le bon pour tous. Téléchargez l'appli. 68 millions de Gaulois fêtent leur anniversaire. 40 ans que le Gaulois élève ses volailles en France. Près de chez toi, pour toi. Les 40 ans Le Gaulois, c'est l'anniversaire de tous les Gaulois. Pour fêter ça, 40 promos pendant 40 semaines. Chez Feu Vert, le vrai super pouvoir de nos experts, c'est le pouvoir d'achat. La preuve, en ce moment, économisez jusqu'à moins 20% sur les prestations de freinage. Hasta la vista, l'inflation. Feu Vert, le pouvoir de l'expert. La peau est un parfum. Hermès. Armé de terre, peux-tu le faire ? Au programme de votre mardi soir sur M6. Mobilisation en direct avec Julien Courbet dans Appel à témoins. Sur W9. Ils feront tout pour rester unis dans le film Le Loup et le Lion. Sur Sister. Julia Roberts enchaîne les mariages ratés dans Just Married, ou presque. Sur Gulli. Faites la rencontre inoubliable d'un monstre à Paris. Sur Teva. À 22h50, Florence Foresti dans le film De plus belle. Et à tout moment sur M6+, offrez-vous une séance cinéma avec Top Gun Maverick. Bonne soirée. Sur les chaînes et la plateforme du groupe M6. Retrouvez M6 Météo avec les pompes à chaleur Midea. Le confort toute saison pour économiser jusqu'à 80% d'énergie. Midea. Qu'il fasse beau, qu'il vente ou qu'il pleuve, la Massif reste la marque d'assurance préférée des Français. La Massif vous présente M6 Météo. Bonsoir, le mois d'octobre débute dans une ambiance de saison. Il y avait pas mal d'humidité dans le ciel aujourd'hui au Cap d'Agde. Ce fut le retour des entrées maritimes donnant un ciel très nuageux avec des températures de saison. Il a fait 22 degrés au meilleur de la journée. Demain, retour du soleil dans l'après-midi, même s'il sera voilé de nuages élevés. Le système dépressionnaire sera repoussé vers les régions du nord-est de la France demain en provoquant toujours des conditions instables. Et puis l'ex-tempête tropicale Isaac nous enverra encore une zone de pluie par le sud de l'Aquitaine en cours de journée. Les températures demain matin vont se maintenir 2 degrés au-dessus des moyennes de saison. Il fera 13 dans la capitale. En matinée, l'ambiance sera très nuageuse sur l'ensemble du pays avec des averses de l'Auvergne aux Alpes et au Jura, ainsi que de la Basse-Normandie, à l'Île-de-France et à l'ouest des Ardennes. Partout ailleurs, quelques ondées seront observées.
On notera un ciel plus lumineux vers le Languedoc-Roussillon sous l'effet de la tramontane. L'après-midi, les averses les plus fréquentes se caleront de la baie du Mont-Saint-Michel au centre jusqu'en Lorraine. Sur les autres régions, il y aura encore de nombreux passages nuageux avec une ou deux ondées possibles. Des Charentes à la Méditerranée, le temps sera sec avec des cumulus doublés de nuages élevés à l'avant du front pluvieux qui va envahir le sud de l'Aquitaine, à signaler du Mistral et de la Tramontane en Méditerranée. Quant aux températures, demain après-midi, elles seront encore en baisse d'un degré. Nous serons légèrement en dessous des normales climatiques. On attend 15 à Paris et 24 à Nice. Jeudi, l'anticyclone revient dans une ambiance plus fraîche. Alors, il y aura davantage d'éclaircies, mais avec pas mal d'humidité le matin. De l'instabilité sera encore au programme entre l'Alsace, les Alpes du Nord, le Massif central et les Pyrénées. Vendredi, ce sera une belle journée ensoleillée avec des cumulus qui circuleront dans le ciel. Des ondées se développeront tout de même du Jura aux Alpes, alors qu'il y aura encore des averses des Alpes-Maritimes à la Corse. Ensuite, une lente dégradation des conditions météo va se mettre en place à partir de samedi. Elle devrait concerner les régions du Nord-Ouest dimanche et lundi. Et puis, le temps sera de nouveau beaucoup plus perturbé et agité avec des températures qui vont se rapprocher des valeurs de saison. Ce soir, Julien Courbet tente de venir en aide à des familles dont leur proche a disparu dans un magazine inédit, Appel à témoins. Très belle soirée à tous sur M6. C'était M6 Météo avec les pompes à chaleur Midea. Le confort toute saison pour économiser jusqu'à 80% d'énergie. Midea. Qu'il fasse beau, qu'il vente ou qu'il pleuve, la Massif reste la marque d'assurance préférée des Français. M6 Météo vous a été présenté par la Massif. C'est déchirant parce que je peux me tromper. Pour le Golden Bachelor, l'heure du choix final a sonné. Mon cœur chavire entre les deux. Rendez-vous pour les derniers épisodes demain à 21h10 sur M6. Bonsoir et bienvenue à tous. Mardi 1er octobre, voici les titres des missiles tirés d'Iran vers Israël. Il y a quelques minutes, les sirènes d'alerte se sont déclenchées à Tel Aviv et Jérusalem. Nouvelle étape dans l'escalade au Proche-Orient. C'est la réponse à l'offensive terrestre d'Israël au Liban. Nous serons en direct de Tel Aviv. Ambiance électrique à l'Assemblée nationale où Michel Barnier a enfin prononcé son discours de politique générale. Endettement, impôts, pouvoir d'achat, immigration. Le Premier ministre a tracé sa feuille de route. Que faut-il en retenir? Il va falloir mettre la pédale douce sur le périphérique. Sa vitesse est désormais limitée à 50 km/h sur certains tronçons avant une généralisation progressive. Tous les détails dans un instant. Évasion aussi ce soir, direction la Polynésie, à l'ouest de Tahiti, sur l'île de Moréa. Les coraux sont menacés sur place. Les scientifiques se mobilisent pour les préserver. Reportage. Et puis à la fin de ce journal, la folie moudingue ne retombe pas. Le petit hippopotame pygmée a conquis le cœur des internautes. À suivre dans l'actu des réseaux. Et on commence donc ce journal par la guerre au Proche-Orient. L'Iran a lancé en fin d'après-midi une attaque sur Israël. Plusieurs centaines de missiles ont été tirés vers Jérusalem, Tel Aviv ou Haïfa. Des sirènes ont été déclenchées dans tout le pays. Une offensive du régime de Téhéran en représailles à la mort des chefs du Hezbollah et du Hamas. Cyril Stadler.